Et salut à tous, c'est le Bouteau, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 5 de la Ligue 1 avec les abonnés. Aujourd'hui, encore une fois, on se retrouve pour un match de Ligue des Champions face au dernier de notre groupe. Il faut s'imposer à l'extérieur, même si on a pas mal de joueurs fatigués. Et pour ce match, j'aligne quasiment une équipe A, mis à part Jérémy Morel. Parce que Bedimo tout simplement. Non, c'est pas Bedimo. Si, c'est Bedimo qui est suspendu. Il est suspendu, du coup, je suis obligé de mettre Morel. J'espère que ça va aller un petit peu mieux, qu'il va se rattraper. Voilà. Ils sont quand même assez fatigués. Malheureusement, j'ai pas assez de blanc. On le sait, c'est le gros souci de l'Olympique Lyonnais cette saison. Donc, on est 3ème avec 1 point. Il faut gagner. Il faut gagner. Parce qu'on a loupé Wolfsburg, maintenant il faut gagner à l'extérieur. Donc on est parti pour ce match très important. Allez, on y croit. Maher qui sera en tant que milieu offensif centre. J'ai préféré Maher que en milieu centre Ferry pour ce match. Maher, il a quand même des bonnes stats. J'ai envie qu'il montre un petit peu son importance dans l'équipe. Le retour de Gezal. Qui peut s'imposer, le petit Gezal. Fekir à droite, la casette en pointe. Darder Gonalon, ça c'est du lourd. Mais bon, un petit peu fatigué quand même. Et le retour de Mapou, qui était suspendu. Aux côtés de Umtiti. Et bon courage à toutes les équipes qui vont jouer en Ligue 1 aujourd'hui. Il me semble qu'il y a le stade de Reims qui joue et après j'ai pas eu. Allez, c'est parti. Allez, il faut ramener les petits points. Voilà, on veut que l'équipe s'impose, hein, clairement. Voilà, ça c'est bon. Et donc on est parti. Ouais. Allez, on va essayer de les encourager. Montrez ce que vous valez, on n'a pas de pression, on est vu perdant, on est à l'extérieur, c'est pas facile, mais je sais de quoi vous êtes capable. Et donc on est parti pour ce premier. Pour ce troisième match, je veux dire, en Ligue des Champions. Après un nul, alors qu'on aurait dû gagner, une défaite 3-0 contre Arsenal. Arsenal, honnêtement, c'est du lourd. Il faut réussir à s'imposer. Et pour ça, on va essayer de jouer notre jeu à 100%. Oups, je fais tomber mon stylo. Bon, pour l'instant, il se passe pas grand chose. C'est assez équilibré pour ces premières minutes. C'est déjà bon signe. Premier carton jaune pour Jardel, l'équipe portugaise. Et on a l'air de bien jouer. Bon, c'est début de match, mais Raphaël qui se prend un jaune. Attention à Raphaël. Parce que Raphaël, il a déjà pris un rouge. Il a déjà pris un rouge cette saison. Avec un double jaune. On va leur demander de se concentrer. Il faut rester concentré dans ce match. C'est assez équilibré. Il se passe pas grand chose. Mais il faut y croire. Même si on ramène un petit match nul, ça nous laisse troisième. C'est plutôt pas mal, mais j'ai envie de dire, si on pouvait choper les 3 points et aller taquiner un petit peu Wolfsburg pour la deuxième place,
La première place, c'est mort. Hein. Arsenal, ils sont vraiment trop forts. Ils ont déjà 6 points. Par contre, ouais. Par contre, la deuxième place, c'est faisable. La troisième place, c'est faisable aussi. On ne fait pas de LOL. Non, on ne fait pas de LOL. C'est ta question. Oh, wow. User left your channel. Au revoir. En Benfica qui. Benfica pardon, qui se réveille un petit peu. 6 tirs encadrés. 57% de possession. Nos passes elles sont dégueulasses. On va enlever passer dans les espaces. Ouais, devant ça a du mal quand même. Hein. Fekir, Maher, Ghezal et Lacazette. Ils ont du mal. Alors à leur dire de se concentrer. Carton jaune. Encore pour le petit club portugais. Allez Fekir, il sait détirer. Il décide de jouer avec Umtiti. C'est peut-être mal joué. Il aurait dû jouer dans le paquet. Ah, on est très haut, ils sont très bas. Allez Raphaël. Fekir encore, Fekir encore. Oh Fekir, ce qu'il a loupé. Ça passe juste à côté. Voilà, la grosse frappe lourde qui passe juste à côté du poteau. C'était bien joué par Fekir. Mais ça manque de cadre. C'est dommage. Allez, il reste quelques minutes. Faut tenir. Par contre, faut pas se prendre un but avant la mi-temps. Ça serait vraiment dommage. C'est Raphaël qui me fait un pressing de ouf à chaque fois. C'est comme ça qu'il se prend des jaunes, Raphaël. Allez la casette, il garde le ballon pour Maher. Maher. Oh attention. Oh c'est dégagé. C'était dangereux. C'était vraiment dangereux. Il reste. Bon on n'est pas dégueu mais on cadre pas. Pour une équipe qui est pas favorite, ça va. On est dans la course encore du match. On est dedans. Oh Maher, attention. Oh, allez. Putain, c'est une occasion en or ça. C'est une occasion en or. Allez avec assurance. On va leur dire ça. Et en attaque, on va leur dire. Oh les gars. Vous pouvez faire beaucoup mieux. On va dire qu'on est déçu. On va leur dire qu'on peut faire beaucoup mieux. Voilà, allez. On va pas faire de changement tout de suite, même si je serais tenté. Malheureusement. Mis à part changer de formation, il n'y a pas grand chose. Hein, parce que Pedraza, je suis pas sûr qu'il apporte plus que Ghezal en Ligue des Champions. Sinon c'est à peu près bon. Hein, mis à part Maher qui croque. Et Fekir aussi qui a croqué une belle occasion. J'espère qu'on va pas regretter de pas cadrer comme ça. Il faut jouer cette Ligue des Champions pleinement. Hein. On est largement pas favori. On est dans un groupe difficile. Il faut pas regretter. Si on se fait sortir, faudra pas regretter. Donc faut tout donner. Hein. Faut tout donner. 6 tirs, 0 cadré. Avec Ghezal, je vais devoir le faire sortir. Je vais tenter quelque chose. Darder, putain, on prend des jaunes. Salut Marion. On va leur demander de se calmer. On va leur demander de se calmer. Et on va faire un changement. Allez, on va tenter.
Ouais, Arsenal qui gagne 1-0. Si je gagne, je passe deuxième. Mais ouais, on a toutes nos chances encore. Hein. Mais faut cadrer. Ils sont pas super non plus. Hein. L'autre côté, ils ont fait qu'un tir cadré. Mais ouais, il faut se donner les moyens. Mais attention, jaune qui me font un petit peu peur. Et Monaco, ouais, qui, à mon avis, vont faire un bon parcours en Ligue des Champions. Monaco 3-0. Hein. C'est beau. C'est beau. Ils ont. Ouais, ils sont très forts. Honnêtement. Ils peuvent faire quelque chose dès cette année. En jouant comme ça. Ils ont gagné l'Atletico quand même. Hein. Faut pas l'oublier. Allez. Archidomino milieu de terrain. Non, pas attaquant en retrait aussi. Qui c'est qu'on peut faire rentrer ? Tolisso. Et c'est risqué en fait. C'est risqué de faire sortir quelqu'un du milieu de terrain. Il reste 20 minutes de jeu. Pour l'instant, on va attendre. Après, si on ramène qu'un nul, pourquoi pas. Allez, Morel. Je suis pas déçu là. Morel, c'est bien, il se rattrape. Il a eu un petit peu de mal en ce début. Allez, Morel. Oh putain, magnifique. Magnifique, mais voilà, c'est pareil. Ça passe pas. Elle était belle, belle frappe. J'aurais aimé l'avoir dedans. Ah, il va falloir faire des changements. Mais qu'est-ce qui peut faire la différence? Ah, c'est ouais, c'est des changements pour la forme, honnêtement. Ah, j'ai pas envie de changer Gonal. On va faire changer plus là. Milieu polyvalent soutien. Et puis Wagner Love, est-ce qu'il peut faire la différence en Ligue des Champions? J'ai envie de continuer. J'ai envie de continuer. Allez les gars, soyez créatifs, soyez créatifs. J'ai même envie de me mettre en offensif, mais c'est risqué. On va tenter notre chance, hein. Et on va faire rentrer Wagner Love. Les consignes. Ouais, les consignes, on reste comme ça. Je fais pas. Ouais, si on peut balancer. On va essayer de passer dans les espaces et centrer dès que possible. De toute façon, on cadre pas en jouant dans la surface, hein, j'ai envie de dire. Allez, faut essayer de chercher le hold-up. Même si c'est assez équilibré. Allez, les gars. Putain, soyez créatifs. Faites-moi rêver, les mecs. Faites-moi rêver, bordel. Ah, ça sent le match nul. Ah putain, Arsenal qui gagne, quoi. Oh, Gonalon, Tolisso, allez, peut-être. Morel qui est présent sur le couloir. Ah, dommage. Putain, lève-moi ce ballon, Morel. Et la contre-attaque qui peut faire mal. Non, c'est récupéré par Morel. Putain, ça passe pas, les gars. Putain, ça passe pas du tout, la contre-attaque. Elle peut faire mal. Elle va faire très mal. Oh, l'arrêt de Lopez. Ah, je suis obligé de tenter et je vais prendre un vieux but à la dernière minute. Allez, Maher. Pour Wagner Love. Non, Wagner Love, putain. Wagner Love. Ah, du coup, ils ont poussé aussi 16 tirs 4 cadrés. On va pouvoir avoir des regrets. Parce que Wolfsburg, c'est quand même 4 points. C'est fini, 0-0.
au Portugal. C'est pas mal. Voilà, ouais, bravo les gars. Bravo à l'extérieur, on a été chercher le 1 point, on aurait dû chercher les 3 points. Mais tout est jouable encore parce que Wolfsburg, bon, on va les jouer à l'extérieur, on n'a pas réussi à domicile, mais on va falloir chercher à l'extérieur et à domicile, va falloir leur mettre une volée à Benfica. Benfica. Donc on se retrouve. Attendez, on va attendre de quitter le match. Bon, mis à part, je pense qu'ils ont poussé à la fin, mais parce que je me suis mis en offensif, enfin voilà, j'ai essayé de créer la surprise. D'aller chercher le petit but. Mais ouais, c'est pas mal. Et du coup, voilà, on tient le petit club portugais en échec. Voilà, ils ont fait leur preuve de volonté. On regagne 500 000 euros. Ouais. Du coup, on se retrouve pour Angers. Ensuite, on se retrouvera pour Ajaccio. Et je pense qu'on finira dessus pour cet épisode 5. Donc, prochain épisode, on fera le match retour face au club portugais à la maison. Et ensuite, voilà, il va falloir jouer Arsenal et Wolfsburg. Il me faut 2 victoires là. Il me faut 2 victoires là. Il faut battre Wolfsburg. Ça va être important. Donc voilà, on s'arrête là-dessus. On se retrouve très bientôt pour... Enfin, très bientôt. Dans 2 secondes pour la suite. A tout de suite. Et re, on se retrouve donc pour la deuxième partie. Oui, on est en partie en ligne. Donc moi, j'ai l'Olympique Lyonnais. Et on va affronter Angers pour cette deuxième partie de vidéo. Suite au joli match qu'on a fait en Ligue des Champions. Mais attention, il faut continuer à penser à la Ligue 1, il faut remonter, il faut se remettre sur le podium pour pouvoir jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Mais il y a du monde en haut, il y a du monde. Il n'y a pas forcément des équipes qu'on attendait, notamment Caen, Toulouse. Je pensais qu'avec le départ de Ben Yedder, mais finalement ils sont 3e et le Monaco qui remonte tout doucement et je dois faire pareil. Mais pour ce match, j'ai fait tourner. Voilà, j'ai dû faire tourner. Mohamed Diatara, on le connaît bien, le joueur. Enfin, un joueur qui est passé par 3. Et qui est prêté par le Standard, il me semble. Très bon joueur, il a du potentiel. Et je sais pas si on fait des tacles durs sur lui, honnêtement. Allez. Il faut continuer sur cette belle série. 3 victoires en championnat. C'est important pour l'Olympique Lyonnais. Je sais plus combien de joueurs on a dans la base de données. 30 000, ouais, un truc comme ça. On en a pas mis trop parce que voilà, il y a des gens qui ont des PC plus ou moins performants. Je plus direct, non. Allez, Koné qui est titulaire, Mvumba, Perrin aussi qui est titulaire à droite. But de Pedro. Allez, Ferry, le but de Ferry, l'ouverture du score pour l'Olympique Lyonnais, deuxième but de la saison. Sur une passe D de Mvumba, alias Mavumba. Ça fait plaisir de marquer assez tôt, hein. D'habitude, c'est vrai qu'on a du mal à ouvrir le score. Et là, Thiago Silva, contre son camp pour Monaco. Putain. Et ah, oui, Monaco, défense, Paris. Ouais, Monaco qui joue Paris. Mais Paris qui s'est pris 4-1 contre Guingamp. Yep. Oh, Ferry. Oh, le doublé de Ferry. Il est en train de me dire, je veux être titulaire en Ligue des Champions, coach. Mais il doit être un peu plus régulier, le petit Ferry. Eh ben, c'est nickel. 2-0 à la mi-temps. J'ai fait tourner.
que demander de plus, honnêtement. C'est super, c'est super. Allez, deuxième partie. Alors que Monaco gagne, sinon c'est 0-0 partout. Mis à part à Lyon et à Paris, où Monaco mène sur le terrain parisien. Et ça serait quand même une très beau match hein, pour Monaco. Il ferait un petit bon classement avec ça. Hein. Ah, ils sont deuxièmes. Hein. Ils dépassent Paris en faisant ça. Allez, Pedraza, le centre et le but de Wagner Love. Magnifique. Pedraza, magnifique centre. Et Wagner Love, deuxième but de la saison. Ah, parce que tout le monde n'est pas sur TeamSpeak. Il y a des gens qui sont plus ou moins timides. Bon, bah, c'est nickel ça. C'est nickel. Ouah, j'ai pas fait de changement. Je suis un ouf. On va faire sortie Ferry. La rentrée de Labidi. Ouais. Ouais, la rentrée de Labidi. Hein. Même si c'est pas son poste. On va le faire jouer là. On est comme ça, nous. Wagner Love. Non, il va rester sur le terrain. Je ferais bien sortir ma poule. Rentrée de Umtiti. En fait, c'est juste histoire de. Pour la forme, hein. Honnêtement, c'est pour la forme. Et puis, dernier changement. Tolisso non, Pedraza non. Mais on va faire rentrer Rachid Ghezal. Voilà, triple changement. Mais ouais, on a assuré la victoire là, 3-0, alors que voilà, j'ai fait tourner, j'ai mis Perrin qui me fait 7-2. Je savais qu'il pouvait faire quelque chose, il a des stats quand même pas mal. Allez, concentrez-vous, restez concentrés, on doit pas prendre de but. Un doublé de Ferry, but de Wagner Love, que demander de plus? Ouais, c'est ça. Toutes les équipes en bleu sont entraînées par des équipes. Bah après, il y a toutes les équipes, mais ceux en bleu, ça veut dire que l'entraîneur est présent actuellement. Bah non, on a un Belge, on a. Putain. Oh la grosse faute. Emoutou qui veut être sur le petit résumé. Carton rouge. Allez, tu rentres au vestiaire. Et peut-être le coup de poignard. Mais non, c'est Umtiti qui met la tête à côté. Umtiti qui rentre et qui prend un carton jaune, c'est pas sérieux. Et victoire de l'Olympique Lyonnais. Nice a gagné aussi. Et j'ai pas vu le reste. Belle victoire là. Nickel. Ils ont tous bien joué. Ça fait vraiment plaisir. Ferry, homme du match. Et puis l'arbitre il a pas été top, mais c'est la Ligue 1, hein, c'est en France. Donc Toulouse qui gagne contre Guingamp, Nice qui gagne contre le FC Lorient, l'Olympique Lyonnais donc qui gagne, Marseille, match nul. Ah, c'est pas mal à l'extérieur. Saint-Étienne, match nul contre Caen. Reims qui. Ah non, oui, après les matchs ne sont pas terminés. Alors il y a pas mal de gens en attente pour rejoindre la partie et il y a qu'une équipe disponible, donc c'est vrai que c'est assez compliqué de rejoindre pour le moment. On va voir sur le prochain live, prochain week-end, il va sûrement y avoir des ouvertures. Donc on se retrouve pour la deuxième partie qui sera face au Gazélec et donc ensuite l'épisode 6 on retrouvera la Ligue des Champions. Allez, à tout de suite. On se retrouve donc pour la troisième partie de cet épisode et la dernière partie face au Gazélec d'Ajaccio. Beau match, le sixième contre le quatrième à l'extérieur. On est favori, mais il va falloir confirmer sur le terrain. On est à l'extérieur, le Gazélec d'Ajaccio, depuis quelques matchs, c'est assez chaud à domicile à faire bouger.
Donc voilà, il va falloir assurer par une victoire qui pourrait nous donner 3 points de plus. Donc ça pourrait vraiment nous mettre sur le podium là, clairement. En plus, on a des matchs de retard. Franchement, on peut le faire. Allez, Antonio, il est imbattable depuis quelques mois, quelques matchs. Ouais, franchement, il prend pas de but. Ça fait plaisir, même en Ligue des Champions. Que demander de mieux? Hop, on va faire ça. Les mauvais pieds là, les mauvais pieds là. Et le petit... qui c'est qui marque des buts en général? Voilà. Allez, il faut continuer sur la belle série. Faut les motiver là. Faut les motiver. On est à l'extérieur. On est un petit peu moins bon à l'extérieur en général. Mais là, on commence à monter en puissance. Alors, je teste la petite tactique que je vais devoir utiliser en Ligue des Champions, étant donné que, tout simplement, mes meilleurs joueurs sont clairement pas les... Ouais, c'est compliqué, sans Valbuena, de les faire jouer en tactique qu'on utilise dernièrement, qu'on a utilisé dernièrement face à Angers. Donc, il faut, là, c'est histoire de les chauffer avec cette tactique avant le match la semaine prochaine en Ligue des Champions. À Gerland. Alexandre Lacazette, sérieux. Contusion à la tête. Il va rester. Contusion, c'est grave. Oh, je sais plus, je crois que c'est grave quand même. C'est un coup, une contusion, c'est un... Ah, c'est juste un coup. Une ouverture, tu vois. Ah, c'est pas très grave alors. Allez, Wagner Love. Wagner Love encore. Oh, putain. La barre. Dégoûté. Putain, il aurait dû marquer là-dessus. Allez, c'est pas grave. J'espère qu'Alexandre Lacazette il sera prêt là, dans une semaine. Parce que sans lui, sans Gonalon, on peut, je pense. On peut rentrer chez nous. Attention à Koef qui centre. Oh putain, la réussite quoi. Et à Monaco c'est pareil, ils se font ils se prennent un but avant la mi-temps quoi. Stade du match. Voilà. Allez, la réussite quoi. Avec calme, on va leur dire voilà. Pas de chance les gars, pour l'instant on n'a pas de chance. Allez, c'est parti, deuxième période, on fait pas de changement. Lacazette, je prends le risque. Je pense qu'il devrait pouvoir jouer en Ligue des Champions. Il va pas être indisponible trop longtemps. Enfin, je l'espère, dans tous les cas, que je le laisse ou que je le fasse sortir, ça changera pas grand chose. Punaise, me dis pas qu'ils vont mettre le 2-0 quoi. Allez. Allez mon Titi, donne ta balle, Morel. Allez, faut jouer devant les gars. Allez Lacazette. Carpique dans l'axe, mais il y a du monde. Fekir. Tolisso pour Lacazette. Lacazette encore. Le but de Lacazette. Yes, égalisation. Sixième but de la saison. Allez, on y croit. On mérite de gagner ce match. Allez les gars, soyez créatifs. C'est nickel. Allez, on va faire quelques changements parce que ça fatigue quand même. Tolisso qui fait un bon match. Ferry, il fait un moins bon match. On va mettre Mbumba. Et on va faire rentrer... Divko. Allez. Ouais, la passe, elle était pas top. Allez, Wagner Love. Oh, la faute. La faute. Et Wagner Love, il a loupé. Ouais, si on perd, enfin si on fait match nul, ça sera à cause de sa transversale.
Allez, pas de. Pas de carton, attention, ça joue vite. Omtiti, magnifique. On grimpe à la quatrième place du coup avec pour l'instant ce but. Ça a joué vite. Un peu trop vite. Oh Omtiti, dommage. Ça aurait été le doublé, la tête. Allez, Mvumba, c'était cadré. On est dangereux. On va faire le dernier changement. Hein. On va faire sortir la casette. On va faire sortir la casette. Du coup, on va partir sur un truc du genre pour finir ce match. Et on va faire rentrer Pedraza qui a fait un bon match à la place de la casette. Je crois en toi. C'est bien. C'est bien, Omtiti qui marque. Ouais. Magnifique. Allez, les gars. Restez concentrés jusqu'à la fin du match. On mérite largement. On mérite à l'extérieur. On fait un super match face au quatrième qui est imbattable depuis quelques temps à domicile. Et nous, on va ramener cette victoire en Corse. Pedraza, c'est magnifique. Ah, dommage. Il reste quelques secondes à jouer. Il reste quelques secondes à jouer. Oh putain. Victoire. Avec assurance. Quelle réaction! C'est magnifique! Ouais, on va rien dire pour éviter qu'il. Ah là, franchement, nickel. Nickel. Du coup, les matchs. Monaco perd à domicile face à Guingamp. What the fuck? Caen qui gagne encore face à Angers 2-1. Le Stade Rennais qui perd pour l'instant face à Saint-Etienne. L'Ostac et l'Olympique de Marseille, c'est pas encore. Reims qui fait match nul à Lorient. Nice 2-0 face à Nantes. Magnifique aux Ilous. Aux Ilous, ça y est, il enchaîne. Les Girondins et Lille, un partout. Paris, Bastia, Toulouse, Montpellier. Magnifique, magnifique. Donc on est potentiellement quatrième pour le moment avec 20 points. Avec 20 points, on se rapproche tout doucement du tout en haut du tableau de Ligue 1. C'est juste beau. On fait une très bonne série là. Très très bonne série. On va juste regarder les petites stats du Kazélec à domicile. Si ça n'a pas changé. Ah voilà, ils sont imbattables à domicile. Hein. Victoire, victoire. Face à Monaco, victoire encore, victoire. Et à l'extérieur, ils ont perdu deux fois. À l'extérieur, mais sinon à domicile, ils étaient imbattables pour le moment. Et on vient de remporter cette victoire qui va faire du bien à Lyon. On s'arrête là pour le moment. Je ne sais pas dans combien de temps les matchs vont reprendre. Donc on fait une courte pause. Et je vous reprends tout de suite après pour le classement final de cet épisode 5. A tout de suite. Heureux. Donc, pour clôturer cet épisode, nous avons Caen qui assure toujours sa place de leader avec 12 journées dans les pattes, 25 points. Paris suit derrière avec un petit peu moins de journées, 22 points. L'Olympique Lyonnais avec 10 journées, 20 points. Toulouse, 12 journées, 20 points. Ajaccio, 19. Monaco qui reste à la 6ème place dû à un mauvais résultat sur sa pelouse face à Guingamp. Les Girondins, le FC Lorient, Stade Rennais, le Stade de Reims qui reste 10e, Saint-Etienne 11e, Guingamp 12e, Angers 13e, Nice 14e, il enchaîne les victoires, le petit Ozilou, chapeau. Lille 15e, Montpellier 16e, Nantes 17e, Bastia, Marseille et les Stacks de Troyes en zone rouge. Donc on se retrouve pour l'épisode 6 face à Lille, Benfica, Montpellier, en sachant que la casette sera pas disponible normalement face au club portugais. Donc je sais pas comment je vais faire. Je vais essayer de voir ça. Malheureusement, ouais. On verra. Donc, je vous invite à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait.
Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Salut à tous. Vous arrêtez.